Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, peut-être pour certains ou certaines, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3. J'espère que vous allez bien, puisque nous sommes en train de vivre le meilleur moment de la journée. Alors, je ne sais pas pour vous, parce que ça m'étonnera que ce soit votre meilleur moment de la journée, mais moi c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moment de la journée, mais en tout cas c'est un moment que j'attends particulièrement, c'est-à-dire le moment où je peux jouer à Xenoblade Chronicles 3, parce que le jeu est tellement prenant, l'histoire est tellement intéressante à suivre, le gameplay est tellement kiffant, je sais pas, tout va bien, j'ai envie de ne faire que ça, et évidemment je me retiens, mais c'est quand même très, très compliqué, puisque bah voilà, c'est juste trop prenant, je suis juste à fond dessus, et voilà, j'ai que hâte de m'y replonger, donc c'est parti, mais d'un autre côté je savoure aussi mon pain blanc, parce que c'est le dernier Xenoblade. Voilà. Alors, c'est le dernier Xenoblade de la saga. Il n'y aura probablement pas de Xenoblade Chronicles 4. Mais après, il pourrait y avoir quelque chose d'autre. Genre un autre Xeno quelque chose. Ou un Xenoblade Chronicles Y, la suite du X, par exemple. Mais... Bon, après, c'est pas dit qu'il ne fasse pas un Xenoblade Chronicles 4, hein, mais... Ça m'étonnerait. De toute façon, on peut manger notre pain blanc, puisque de toute façon, on aura une histoire principale supplémentaire grâce au DLC. Allez. On arrête de dire des choses qui rendent tristes, même si le DLC c'est cool. On va continuer l'histoire et profiter de ce scénario. Ah. Lance, tu as l'écart. Ah non, ça va, Diacena avec toi. Je suis jalouse. Ah bon? De quoi? De toi? De Mimi? De Noah? Bon, pourquoi? Vous êtes tous si sûrs de vous. Qui ça, nous? On fait juste semblant. Enfin, c'est pas pour Noah et Mio. Mais moi, je suis pitoyable. Quoi? Je joue les gros durs. Mais c'est pour oublier que je suis qu'une mauviette. Tu trouves que tu es une mauviette? Bah ouais. Toi et moi, on se ressemble. Je viens de la vie. Mais il n'y a rien de mal à ça. Absolument. Si on est faible, on a de la marge pour progresser. Tu crois pas? Tu te souviens de la première fois que j'ai détruit ta forme d'Ouroboros? Que t'as pris, pardon. T'as crié. Lance, suis-moi. Tu m'as réclamé l'aide dont t'avais besoin. Notre pote, Yoran, est devenu un Mobius. Mais c'était pas lui, ça. Je peux pas croire que c'était ça, le but de sa vie. C'est pour ça que je veux savoir ce que c'est le but de ma vie, à moi. Je veux devenir plus fort. Et si Yoran est devenu plus puissant que moi, je veux devenir encore plus fort que ça. Wow. Je le fais pas pour la gloire. C'est pas pour qu'on m'aime non plus. Je le fais pour moi. Même si les autres le voient pas, hein. On est là. Tous les deux. On est comme on est. Il n'y a rien de mal à ça. Lance, le seul et l'unique. Senna, la seule et l'unique. Alors est-ce vraiment la seule et l'unique? Reste toi-même, d'accord? Trouver le but de sa vie. Ça t'embête si je te pique ta façon de voir les choses? Pas besoin de demander. Entre potes, on partage tout. Hein? À la nôtre, les super mauviettes. Ouais. Encore une fois, le thème musical derrière, un bijou, hein. Un bijou. J'adore les relations entre les personnages qui sont... Elles sont vraiment... Vraiment saines, en fait. C'est vraiment super cool. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Ah oui, c'était par rapport à Yoran. En fait, je suis pas sûr que le Yoran du Mobius, ce soit le Yoran qui soit fait écrabouiller. C'est le même corps, la même enveloppe charnelle, mais est-ce que c'est le même esprit qui a évolué l'un avec l'autre? Je pense pas. Je pense que c'est exactement comme Yoni, qui a une enveloppe charnelle qui est morte sur le champ de bataille. Ah, cela dit, elle avait des souvenirs de... Ah merde. Théorie qui tombe à l'eau.
puisque c'est ça qui est bizarre. Comment elle peut avoir des souvenirs? Là, je parle de Yoni. Comment elle peut avoir des souvenirs d'elle qui est morte, qui s'est fait tuer par le Mobius, là? C'est chelou, ça. Donc, c'est vraiment la même personne? Bah merde, alors. Il va falloir une explication, là. Zut. Tout le monde est prêt, demande Noah. Et comment? Gondor nous a demandé de la retrouver à la cellule centrale. Il est à la même heure qu'hier à notre entrée dans la prison, ce qui veut dire qu'on risque fort de retomber sur l'atroce geôlier de l'autre fois. Génial. Il sera forcément présent à l'appel du matin. Et du coup, ils vont nous demander, ils vont faire l'appel, mais on va pas répondre, nous. Donc c'est bizarre. Bon, ben allons-y alors en bon prisonnier modèle. Bah non. Bah non, n'y allez pas. Cachez-vous. Ils vont faire l'appel, mais ils vont pas savoir qui vous êtes. Et vive le travail forcé. Ah, j'espère qu'on ne va pas trop souffrir. Parce qu'à quoi bon faire l'appel, référencer les gens qu'il y a, et en fait tu te rends compte qu'il y a 7 personnes, 8 personnes de trop. Non, 9. 9 personnes de trop. Alexandria, elle est contente hein, par contre. Hein. Elle s'est dit, allez tiens, je vais aller en tôle avec vous. Une fois qu'on doit se taper un autre de ces histoires souvent. Bah si c'est qu'un speech, ça me va. Hein. Arme-toi de patience. Parce que l'appel, là, ça va un peu déjouer nos plans, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être il y a quelques incohérences scénaristiques, mais si c'est des petites mineures comme cela, ça me dérange pas trop. Bien le bonjour, mes petits prisonniers, mais ça dérange un peu, peut-être. On espère que vous êtes tous en forme. Vous devriez nous remercier de vous avoir laissé en vie, les bandes de criminels. Leur tuez-vous à la tâche, c'est le minimum. Ceux qui bosseront pas assez ou auront rien à manger et piger, eh bien, passons maintenant à la répartition des tâches pour la journée. Aujourd'hui, vous serez de corvée dans la forêt de périmètre pour y ramasser des provisions, former des équipes par cellule. Pour commencer, ce sera 20 carnomilles, 20 bardanes dorées, 20 truffes pêchues et 20 prunes mielleuses. Allez, au trop. Bon alors, il n'y a pas d'appel et il y avait une cellule pour nous disponible. Ouf, on devrait encore passer une journée tranquille. Comme tu dis, il y a sûrement moyen de se caler une bonne sieste. Non. Faut croire qu'on n'a pas la même définition d'une journée tranquille. Ouais, je préfère même pas m'imaginer ce que c'est une journée pas tranquille. Lol. À quoi est-ce que tu penses, Tyone? À cette liste d'aliments que le geôlier vient d'énumérer. Cela correspond exactement au contenu des rations que le château fait parvenir aux différentes colonies. Mais alors, tu crois qu'elles seraient toutes préparées ici? Ça semble une conclusion logique. Lol. Les égarés qu'ils capturent sont donc gardés en vie afin de travailler comme forçats pour le château. Nous allons à présent ouvrir l'accès à la forêt du périmètre. Mais que j'en vois pas un jouer au malin, compris. Le premier qui fait un pas de travers, je le descends, point final. Nous devons à tout prix éviter de nous faire remarquer jusqu'à ce que nous ayons mis en œuvre notre plan. Oui, dirigeons-nous comme les autres vers la forêt du périmètre. Ils sont tous habillés en noir et vous êtes en mode... Allez, t'as les petits nopons orange et vert. J'adore. Oh. Vous étiez obligé de rajouter, de faire ça? J'ai mal entendu ce que je lui avais dit pour commencer. Oui. Je dirais qu'on va en avoir pour notre argent et même avec les intérêts, la journée risque d'être longue. Oh là là. Ah, il me les marque, hein, cela dit. C'est gentil. Mais il y en a beaucoup trop ramassé. Je le sens dans l'amour de la joie. 20, c'est beaucoup quand même. Hein. En plus, c'est même pas pour nous. On va éviter de se frotter aux monstres. Et tant qu'à y être, autant prendre le reste. Pas les ailes de la reine, j'en ai ma claque de ramasser des trucs qui traînent. Ouf, on dirait qu'on va atteindre le quota requis de la journée. Il y a des jours où c'est plus compliqué. Que se passe-t-il si on n'atteint pas le quota? C'est mieux que vous n'en sachiez rien. Yes. Tous mes jours en prison. C'est des carnouilles, hein. Je pensais que je peux y aller là-bas? Non. Ah si, coucou, si, si. On va peut-être passer par là. Ah, il y a un point d'interrogation là. Qu'est-ce qu'il me dit, Anton?
Vous travaillez tous les jours aussi dur que ça ici en prison? Et ouais, mon pote, et encore la cueillette de nourriture, c'est pas la pire. Des fois, on part à la mine extraire des ressources. Mais les jours de repos ou de congé, ça, tu peux oublier. Je vois. Vous avez pas encore ramassé tout votre quota, Pravé. Tenez, prenez ça. T'en es sûr, t'en auras pas besoin. On voudrait surtout pas que vous soyez sur les routules pour le jour de l'évasion. Merci, ça va bien nous aider. Je fais une mielleuse. Ah bah merci. À tous faire la part du travail, mais n'hésite pas à partager avec des étrangers. Espérons qu'on puisse les sortir de là sans pétrin. C'est vrai qu'en même temps, on a un peu leur plan de secours. Hein. Enfin, je sais pas si on est leur plan de secours, mais on est une aide non négligeable. On va dire ça comme ça. Ah, on peut les taper, hein. Bah, tapons-les, hein. Entraînons-nous un peu. On s'est fait agresser, c'est pas de notre faute. Hop. Voilà. Il y a plein de points d'interrogation. Je suppose que c'est plein de bonus pour la quête. Je sais pas s'il faut tous les récupérer ou s'il y en a plus, vous voyez. J'aurais tendance à dire qu'il faut tous les récupérer, moi, mais c'est possible qu'il y en ait plus. En même temps, c'est possible que non. Alors, ouais, il y en a quand même beaucoup là. Hein. Ah, ramasser le lit. Bon, je sais pas d'où ça spawn par contre, parce que ça fait salut quand même. Hop, hop. Les prunes. Un ancien camarade m'a un jour dit que ce territoire appartenait à la cité il y a ça des années. C'était un endroit fertile où il faisait pousser des tas de choses, et il appelait cet endroit la colline de l'espoir. Et c'est comme ça qu'on l'appelle ici aussi, ce serait drôle si ce n'est pas aussi déprimant. En effet, ce serait drôle si c'était pas déprimant. C'est souvent lié, souvent proche. Je ne fais que passer. Je prends les truffes, les carnomilles. Les prunes. On fait pas ça pour des prunes, lol. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? C'est toi qui as fait pousser tout ça? Ouais, par ici, la terre est fertile, ça aide, et puis c'est pas trop compliqué. Le seul truc qui m'énerve, c'est de me dire que nos chers geôliers sont loin d'être les derniers à en profiter. Tenez, vous avez qu'à vous servir, ce sont des bardades dorées exactement comme celles qu'ils nous ont proposé de ramasser. Merci beaucoup. J'ai du mal à croire qu'on va bientôt décamper d'ici, si je pouvais, j'emporterais bien tout ça avec moi. Bah, évite de le crier sur tous les toits. Mais bref, alors, comment il faut rester, truc à faire, j'y crois pas. Ah, de râler au boulot, on fait juste traîner les choses. Alors, il y a combien de trucs à faire? Ah, il en reste encore pas mal. Hein. Alors, cela dit, est-ce que j'ai pas juste à faire des points d'interrogation? Jusqu'à ramasser ces trucs. Il y a tellement de choses qu'on peut récupérer ici. Bien que c'est comme ça qu'ils nourrissent les colonies, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça fait longtemps que tu es enfermé ici? Comparé au temps que j'ai passé avant à me battre, pas si longtemps que ça. Il paraît que vous avez l'intention de vous évader, vous allez reprendre le combat alors. En un sens, je vous admire. Comment ça? Je ne suis pas là depuis très longtemps, mais ça m'a quand même permis de comprendre une chose. J'en avais plus qu'assez de voir sans arrêt me battre pour vivre. Mais pardon, je suis là à vous raconter ma vie. Désolé, c'est juste que ça fait du bien de parler à quelqu'un. Il vous en manque encore? Non, tenez pas de nom de ça. Et bon courage pour la suite. Ok, merci de me donner ce qui manque. Oh merde. Bon. Bah, je voulais pas vous taper. Oulala, ils sont nombreux. Pas comme ça, hein. Aïe, 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 aïe. Talala, tata. Il y a la Mio. Merde. Pas comme ça. Ta. Aïe. J'aime pas trop l'idée là. Ça se fait raise. On va crever. Hein. Ouais.
On n'a pas les Ouroboros, donc c'est compliqué. Ils étaient trop nombreux là. Il y en a un derrière nous en fait. Le point d'interrogation. Où es-tu? Oh mais laissez-moi tranquille. Là, ben voilà. Bonjour Dana. Qu'est-ce que vous observez comme ça? Le poste de chat que je vous dis occupe. Vous allez sortir Gondor d'ici et je veux faire ma part pour vous aider. Je vois. Mais pour que je puisse le faire, il vaudrait mieux éviter d'attirer l'attention sur moi. Alors si vous pouviez aller vous balader plus loin sans vouloir vous offenser. Oh bien sûr, nous ne voulons pas compromettre vos efforts. Attendez, tenez, prenez ça. Ces jolies remarques des prisonniers qui discutent entre eux, ils ne tardent jamais à rappliquer. Votre plan doit absolument rester secret, alors ne restez pas là. Ça y est, on a enfin fini. Faisons notre rapport et basta. Si on fait ça tous les jours, on va vite en avoir marre. Yup. Ça va, t'as 3 jours. Hein. C'est pas non plus la mort. C'est quand même pas super passionnant. J'espère juste qu'on va pas devoir le faire nous 4 fois. Ça va vite me gaver cette histoire. Corvée était du gâteau aujourd'hui. Mais c'est par personne dans le groupe. Ah, c'est par cabine. Voilà, nous avons ramassé le quota qui nous avait été assigné. Ça, c'est à moi d'en juger. Bien, alors voilà la liste suivante. Quoi? On s'est tué à la tâche, on doit aussitôt enchaîner sur une autre. Ça te pose un problème, t'es pas obligé, hein. Tu peux aussi t'exécuter sur place. On est déjà bien gentil de vous garder en vie, alors si vous voulez que ça continue, vous avez intérêt à bosser. Et toi, t'as intérêt à... Et évitons de nous faire remarquer pour le moment, d'accord? Mais enfin, Lance, arrête un peu. Tête brûlée. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Retournez à vos cellules et vous avisez pas de faire le moindre détour. Mais... T'as pas dit qu'il y avait un autre truc à faire? What the fuck? What the fuck? Ah, Berg, je pue la poussière et la sueur, je vous raconte pas. Il faut qu'on tienne le coup encore de jour. Oui, on n'a pas à se plaindre. Quand on pense que c'est la vie quotidienne de tous ces prisonniers, ils sont pratiquement réduits en esclavage, c'est à peine si les geôliers les considèrent encore comme des êtres humains. Mais ils ne les considèrent jamais comme des êtres humains, je pense. Il faut que nous reprenions des forces pour demain, nous ferons le moins de nous coucher sans tarder. Tu as raison. Il semblerait que nous ayons à faire ça encore deux fois. Premier jour en prison. On va voir la deuxième quête, deuxième jour en prison. Je pense avoir suffisamment de corvées pour une période ou deux. Bah, du coup. Tu te sens bien, Tyone? Est-ce que tu veux qu'on retourne dans la cellule pour te reposer un peu? Un grand Guernica n'est plus, mais de toute évidence, il a pu créer de nouveaux Ouroboros avant de mourir. Je crois que Gondor est triste qu'il soit mort, mais lui dites pas que je dis ça, sinon elle va m'envoyer le rejoindre. Bah, c'est son grand-père quand même. Donc c'est normal qu'elle soit triste qu'il soit mort. Bonjour tout le monde, je crois qu'on est prêt. Alors en route pour la cellule centrale. Encore une belle journée d'effort pour la grandeur de l'institution pénitentiaire. Ils nous ont pas fait dormir. Ah ah ah. Et elle se péripait un peu notre tête, la Gondor. Faudrait faire les prisonniers modèles, mais elle n'en fiche pas une. À vrai dire, elle a juste dit de nous faire passer pour les prisonniers modèles. Elle nous appliquons peut-être trop. Quoi qu'il en soit, il nous reste encore un jour à tenir. Eh bien, second... Oula. Me fais pas flipper comme ça le jeu. Parce que si en plus je dois le faire deux fois, parce que ça bug. Comme dans Triangle Strategy. J'ai passé 10 longues années dans ce pénitencier, ça fait un sacré bail. Ah ouais! Une période entière, quoi, si tu veux. Ils vont plus tarder à m'envoyer à l'abattoir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mon âge, vous en voyez beaucoup, vous les vieux prisonniers? Bah on voit pas beaucoup de prisonniers cela dit, mais... En effet, ils ont pas l'air tous vieux. C'est l'appel du matin déjà, je crois que je vais ronfler de vous. Déjà, j'ai déjà tellement de choses à faire, je ne vais pas vous me permettre de vous aider. Pas de soucis, vous pourriez nous filer quelques conseils peut-être. Pourquoi pas, il y a un marchand de ponts qui a échoué ici au milieu des prisonniers. Si vous avez besoin de quelque chose, il pourra peut-être vous aider. Bah il a pas l'air de vouloir nous aider, donc... Peut-être pas tout de suite.
Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, votre tâche sera de réduire la population de Félix qui vit dans la forêt du périmètre. Quiconque tue un Félix sera dispensé de toute corvée pour le reste de la journée, mais vous devez en rapporter la preuve. Mais pas n'importe quel Félix, le but est d'éradiquer ceux qui sont devenus particulièrement sauvages. Voilà qui me branche nettement plus que de farfouiller la recherche de fruits et légumes comme hier. On nous a signalé que les Félix avaient mis en pièces pas mal de gens hier, alors amusez-vous bien. Pourquoi vous n'envoyez pas vos Levnis, le problème serait vite réglé. Toutes nos machines doivent être révisées en prévision des exercices de manœuvre de demain. Et puis franchement, on va pas envoyer des Levnis pour une mission aussi pourrie. Après tout, vous êtes là pour ça, non? Yes. Allez, au boulot et sans perdre de temps, cette tâche a priorité sur toutes les autres, et tout refus d'obéir sera puni de mort. C'est clair? Allez, là, on se remue le cul. Chop chop. C'est juste moi ou ça le fait marrer, cette histoire? Aux éclats que ça le fait marrer. On va se battre avec des Félix enragés pendant qu'ils se tournent les pouces en profitant du spectacle. Comment un comportement aussi cruel peut-il procurer un quelconque plaisir? Cela dépasse mon entendement. Quoi qu'il en soit, nous ferions mieux d'y aller nous aussi. C'est un connard, mais... Il n'attend qu'une chose, hein. Deuxième jour en prison. Il me mouche ces geôliers nous traitent comme de la bourbe. Non, mais ils se prennent pour qui? Bah, les prisonniers. C'est exactement ce que tu ressens, mais pour ce que le plan fonctionne, essayons de rester calme, d'accord? On n'a pas récolté 20 000 carottes. Ça devrait aller. Soit dit, c'est un monstre que l'on peut pas ouvre-bourrosser. Fais attention à ne pas trahir notre couverture en combattant. Ouais, ouais, pas d'interlien. Pigé. Cinématique, mais ça va pas être à nous du coup. Si, Gondor. Tiens, voilà les gus. Je croyais vous avoir déjà dit de garder vos distances, dégagez d'ici et fis ça. N'espère pas te débarrasser de nous, nous ne vous laisserons pas tomber. Pfff, si vous utilisez. Bon, dans ce cas, dépêchons-nous de régler son compte à cette sale bête. Avec plaisir. Hop. Félix Basalic. Bon là on aura un enchaînement peut-être, mais... Alors on aura un enchaînement, mais on n'a pas de... Ah ça, il n'y en a eu que deux. Et des fois, il y a possibilité d'en avoir quatre. En auto-attaque. Bon, là, ça a tout doublé. C'est pété. Paf. Est-ce que tu reconnais les pistolets de ton papa? Le forceur. Non? Bon, tant pis. Mais Alexandria, enfin. Ah quoi? Moi aussi je suis mort? What the fuck? Tu nous as dit de faire attention et maintenant tu meurs. Bah ouais. En même temps, les soigneurs m'ont pas soigné alors. Loubles, hein. Mais t'enfuis pas, sérieux. Hein? Et il se tire. Et il est sacrément rapide, dis donc. Il semblait presque admiratif. Il va nous ramener toute la troupe. Pas pour interrier. Je crains qu'il nous ait échappé. Pour de lui courir après. Ah, ils sont claqués eux. Oh, mais et eux alors? C'est gentil de t'inquiéter pour eux, ce sont des soldats aguerris, je te rappelle. Mais. Debout, bande de larves, vous allez pas vous rouler par terre pour des simples égratignures quand même. Si vous vous levez, si vous vous levez pas dans la seconde, je vous jure que vous transforme en pâté pour Félix de mes propres mains. Ah, tu parles d'une bande de tirs au flanc. Bon, vous les entassez dans un coin et vous ça craint pas trop et je vous rejoins. Mais attendez pas, sinon vous ne rattraperez jamais votre bestiole. Très bien. Intérêt à courir quand même. Ah. C'est vrai qu'on a ça. C'est des grosses pattes, hein. Les traces de pattes s'enfoncent dans la forêt. Est-ce qu'on a le droit d'y aller au moins? On est de poursuivre ce machin, j'ai pas envie qu'il se fasse la malle. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Bonjour monsieur le geôlier, il est parti. Tu m'as pas ramené de Félix, dégage. Bon bah d'accord. Allez, à toi Yoni.
Yuni's the boss. Nope. Ah, bordel. Dégage. Oust. Pas de combattre. Voilà. Voilà, tu trouves les plastres. Voilà, autour de Taïon. Quoi, il y a une... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Regardez, il y en a trois. Une bleue, une rouge et une jaune. Ah bah c'est des pierres. Le nom indique que la couleur importait peu, si je me souviens bien. Dans ce cas... Prendre la rouge, la bleue, la jaune, les prendre toutes les trois. Bah ouais. J'arrive pas à me laisser les prendre, on les toutes. Bah, pourquoi on en prendrait qu'une? T'en prendre les trois, non? Bah c'est parfait, ça. Hop. Ah, tu es là. Coucou. Tain. Ça y est, on l'a retrouvé. Est-ce qu'il va être full life? Bien, alors achevons-le avant qu'il ne fasse d'autres blessés. Évidemment qu'il est full life. Tain, tain, tain. Et viens, mais là, toi. Du coup, c'était pas mal quand Noah il était en support avec le cercle de régénération, on pouvait le avec son truc qui fait 15% ou 25% de plus. Immobilisé, bon machine. Bon contre machine. Pas vraiment une machine, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Qui pouvait relancer le soin. C'était pas mal. Mais Taïon. Pourquoi c'est Taïon qui. Ah bah c'est le temps, je pense. C'est-à-dire pourquoi c'est Taïon qui crève? Bah c'est le temps. Normal qu'il se crève. A priori, c'est normal. Fin des équilibres, explosion. Y'a pas un. Ouais. Allez, où? Est-ce qu'on l'enchaîne? On a pas besoin. Hein. Paf. Faire pousser. Ta-ta-ta-ta. Et ben voilà. Parfait. On n'a pas de preuves. Là, je crois qu'il a eu son compte. Je m'attendais pas à devoir y aller aussi fort. Elle était coriace cette bestiole. Bien, mission accomplie. Alors que devons-nous faire maintenant? J'imagine qu'on doit rentrer à la prison pour le signaler. Quoi, c'est déjà fini? Vous l'avez dégommé sans moi? Mais j'ai même pas eu le temps de me défouler. Te défouler? Tu aimes un peu trop te battre, toi. Enfin bon, tant pis, il vous reste plus qu'à retourner voir notre geôlier préféré pour lui dire que vous avez bien bossé, Légus. Tu en es sûr? Ça m'ennuie un peu de nous approprier la victoire. Sûr de c'est sûr, vous l'avez mérité, non? Vu qu'il n'y a personne qui surveille trop par ici, nous on va en profiter pour faire un peu de repérage pour demain. Très bien, comme tu voudras. Et c'est quoi la preuve que vous l'avez tué, du coup? Imagine qu'on a fini le boulot pour aujourd'hui. Allons faire notre rapport. Allez. C'est à ton tour, Lance, hein. Hop. Ça va bientôt être à toi, Senna. T'es prête? Allez, Senna. Paf. C'est ton heure. Senna heure. Ouais, ouais, je suis drôle, je le sais. Merci, merci. Je me suis trompé de nom, c'est toujours le même endroit. Oui. Mais oui, mais oui. Allez, où? Go, Noah. Pa, 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 pa.
Il y a encore plein de points d'interrogation, cela dit. Mais ce sont peut-être pas pour là, en fait. Qu'est-ce que t'as à nous dire, Cory? Quand il s'agit de massacrer des monstres, on peut compter sur l'équipe de Gondor. Au bout d'un moment, les gens finissent par trouver leur place ici. Tout le monde se serre les coudes de coups. Ouais, les prisonniers avec qui on est enfermés deviennent comme une famille avec le temps. Yep. Je pense que ça crée des liens, hein. Nous avons réussi à abattre l'un de ces félices devenus sauvages. Ah ouais, vous pouvez prouver. Et voilà, les cornes du machin. Vous auriez aussi bien pu récupérer ça sur un félice parfaitement inoffensif. Pour moi, ça vaut rien comme preuve. Pardon. Merde alors. Faut qu'on en tue un autre. Et Braise, il commence sévèrement à me hisser les plumes, ce mec. Nous n'avons pas le choix, hélas. Retournons là-bas et touchons de trouver quelque chose qui saura le convaincre. On va se retaper tout le chemin, super. Oui, comme tu dis, Lance. I am ravi. Ce que j'avais prévu. Mais comment c'est permis ça? Les égards doivent avoir une patience de malade. Ah bah c'est sûr. Hein. Ok, calme. Toi, essaie de faire avec pour le moment. Ça y est, vous rentrez vous aussi? Ouais, mais on peut savoir ce que vous vous fichez là? Eh bien... Ah, laissez-moi deviner. Si je suis joli, vous cherchez encore des crosses, hein. Tenez. Corne géante de Félix. Mais qu'est-ce que c'est? Si vous lui filez ça, elle sera bien obligée de vous lâcher la grappe, votre super pote. Merci beaucoup. Mais du coup, toi, t'as quoi? T'y retournes? Sale délire? Ouais, elle s'est barrée. Bon, bah, on y retourne alors. Il faut essayer plus d'une journée de Clémence par an, et si ces dernières chauffent un cœur de pierre. Ouais, plus d'une journée. Il n'y a même pas une journée. Tenez, voici la preuve que nous avons bien abattu un des félices recherchés. Ma foi, il semblerait que vous ayez bel et bien abattu ce félice, en effet. Chose première, chose due, vous êtes dispensé de corvée pour le reste de la journée. Visiblement, ça a marché ce coup-ci. Merci pour ton coup de main, Condor. Il n'y a vraiment pas de quoi, et je voulais être sûr qu'on ait le temps de causer à ce qu'on fera demain. Très pertinent, je tiens aussi à ce que nous examinions les détails ensemble. Tada! Quête terminée, parfait. Deuxième jour en prison. Hop! Nous allons nous arrêter là pour cet épisode, oui. Absolument. C'est criminel, je le sais. Mais il est temps. Il est temps. On va s'arrêter là. On se retrouve demain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.